Si tu nous kiffes, tu connais les bails. Un pouce bleu et abonne-toi. Dans le bannis, tiens, youtubeur. Non, je vous jure, je suis pas youtubeur. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous appelez comment? Manoa. Noah, tu habites où, Noah? Marseille. En Marseille? C'est pas mal, Marseille. Tu connais Narbonne? Non. Je connais pas Narbonne, c'est à côté. J'ai eu une affaire là-bas il y a pas longtemps. Ouais. Et toi, Tarzan, je sais pas quoi, là, tu t'appelles comment? Oui, je m'appelle Julien. Julien, t'habites où, Julien? J'habite à Paris. Attendez, il y a un petit qui m'appelle. C'est un youtubeur? Oui, des marques. Marc Godfamilia, tu vas voir. Godfamilia, excellent ça. Moi, je m'appelle Bob l'écorché. Bob l'écorché? Ouais, on m'appelle Bob l'écorché. Pas mal. Vous voulez savoir pourquoi? Non. Je vais pas savoir pourquoi on appelle Bob l'écorché. C'est pas, dis-le. Je te le dis pas, voilà. Parce que c'est top secret. Si, en fait, je vais te le dire. T'as quel âge déjà? 11 ans. T'as 11 ans? Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi on m'appelle Bob l'écorché. Okay. Parce qu'en fait, j'ai des cicatrices autour de la bouche. Du coup, on m'appelle Bob l'écorché. Tu sais comment je me suis fait les cicatrices? Non. Je sais pas comment. Bah, je vais t'expliquer. En fait, un soir, je suis rentré de l'école et ouais. Mon père est complètement bourré, en train de bousculer ma mère. Et moi, je suis rentré au moment où il fallait pas. Et mon père, il m'a regardé. Et comme j'avais une tête en étant énervé, il m'a dit: pourquoi cet air aussi sérieux? Moi, j'étais vraiment très choqué, du coup j'ai pas parlé. Il m'a regardé une deuxième fois, il m'a dit: pourquoi cet air aussi sérieux? Alors il a pris le couteau de cuisine, il a dit: il faut mettre un petit sourire sur ce visage, il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Arrête, tu fais flipper ensuite... mec. Laisse-moi finir mon histoire. Mais tu fais flipper. Et ensuite, il a mis le couteau dans la bouche comme ça, tu vois, comme ça. Et je laisse imaginer la suite. Voilà pourquoi on m'appelle Bob l'écorché. Je vais faire des cauchemars la nuit à cause de toi. Tarzan, attends, viens, Tarzan. Il y a d'autres avions, t'inquiète. Et du coup, depuis ce jour, je me suis vengé à ma manière. Et t'as fait quoi? Je ne vais pas le dire. C'est top secret. Si je te le dis, je vais devoir te retrouver. Tu vois, ça, j'ai pas envie. T'as envie, toi? Mais c'est juste que j'habite à Marseille. Mais c'est pas juste des choses que tu voulais croire. Qui a un chien à côté de lui? Tu sais, le chien, ce que tu peux faire, je l'ai déjà fait aussi. Et tu mets des clous dans des saucisses et tu lui donnes. Il va arrêter de faire ce bruit là. Nice. Ça monte sur le top. T'as une balle. Nice. Il y en a un en dessous, je pense. J'ai cru, j'en ai un qui a plus du tout de vie. Il y en a qui est rentré dans la maison rouge, il a plus de cette gueule. Il est au-dessus. Mais bon, il est mort. Je mets. Par contre, les gars, je vous préviens, je garde ma petite sœur, donc s'il y a des bruits bizarres, je suis désolé. Ouais, pas grave. Vous me dites quand on peut ouvrir le feu. Parce que là, j'ai un bon visu. Attends. Ah, il a pris un ballon. Ballon. Ah, un ballon. C'est bon, je l'ai eu. Il était où? La KS en mètre, pardon.
Les gars, vous pouvez me protéger, je vais aller voir si ma soeur elle a besoin de rien. Vas-y, je m'enferme. T'es où? Ok, ok. Bon, c'est à côté. Je reviens. Prends. Ferme ta bouche avec mes potes, fais pas de bruit! Et tu vas la fermer ta gueule! Wow. C'est bon, désolé les gars, c'est... il y a eu des bruits de fond. Ouais, ouais, c'est vrai. Attendez, parce que là... Allez, tu vas t'enfermer ici, et tu vas arrêter de bouger. Voilà. Et tu restes là. What the fuck, ça hein? Et si tu fais un seul bruit, tu sortiras plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un fou, ce mec. Oh, je vais lui parler, c'est pas faux. J'arrive de réanimer. Mmh.